éclairé de lumière, il n'y a que le bon Dieu. Ça veut tout simplement dire que Dieu lui-même descend sur terre à des heures précises pour nous répondre exactement sur des questions que nous nous posons, sur des problèmes sur lesquels nous nous lamentons. Mais il y a des choses qui bloquent Dieu de descendre dans votre quartier, dans votre village et dans votre ville. Avant de vous donner ces détails, je vais vous préciser que lorsqu'on parle des villes développées, remarquez très bien que toutes les rues sont couvertes de goudron. Tout est propre dans tous les sens. Les maisons sont bien taillées, bien précis, les fleurs des maisons sont bien taillées, bien propres. On trouve ce genre de décor le plus souvent dans des hôtels qui reçoivent des autorités de certains pays. Mais remarquez très bien que quand on dit une ville est développée, riche, ça veut tout simplement dire que les maisons sont faites sur des designs avec des codes précis, des rangements précis. Et le plus souvent, pour ceux qui ont fait l'Europe, en tout cas quand je suis descendue en Europe, j'ai compris que les maisons n'étaient pas construites au hasard. L'emplacement des maisons ne sont pas faits dans le désordre. Tout est fait dans les règles de l'art. Et ce qui m'a plus interpellée, c'est lorsque les maisons sont construites juste à côté des routes, bien bitumées. La maison fait face à la route, bien bitumée. Les amis, c'est un indice que certaines personnes ont étudié. Si vous avez un quartier qui n'est pas propre, un quartier qui n'est pas bitumé, on dit que c'est un bidonville. Lorsque vous avez un quartier qui est rempli d'ordures, avec des maisons mal construites, mal rangées et moins entretenues, on dit qu'il y a des voyous qui habitent là-bas. Est-ce que déjà ça vous a interpellé? Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Je vais vous donner la précision sur votre propre maison où vous habitez. La maison où vous habitez doit être une maison propre. Aux alentours, tout doit être dans l'ordre. Pourquoi dans les pays développés, les routes sont très bien bitumées et très bien et ornées, très bien numérotées? Tout est fait dans les règles de l'art, dans les centimètres de l'art. Tout est fait proprement. Est-ce que cela a déjà interpellé? Vous a déjà interpellé? Pourquoi les routes sont aussi propres et bien bitumées, goudronnées, ornées? Tout est bien numéroté. Pourquoi? Est-ce que vous avez déjà posé la question? Le plus souvent, il y a des quartiers où il n'y a même pas, je parle des pays développés, il n'y a même pas de voiture qui passe autant pour qu'il y ait une route bitumée. Je vais donner l'exemple dans mon pays, par exemple la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas, il y a une route, s'il y a des routes bitumées, c'est qu'il y a beaucoup de trafic sur la route. Les routes qui ne sont pas bitumées, alors il n'y a pas beaucoup de trafic, donc on ne met pas de goudron. Je vais vous donner un petit détail. Ça veut dire quoi? Ma grand-mère dit qu'à des heures précises, Dieu lui-même descend du ciel pour descendre sur la terre, pour donner à chacun sa bénédiction. C'est un immeuble. Tous ceux qui habitent dans l'immeuble, eux-mêmes là, tout le monde est obligé de mettre la propriété autour pour que tous ceux qui habitent là ils puissent avoir des bénédictions. Sinon, vous-même regardez, c'est comme ça. C'est ce qui fait que pour qu'on réussisse, c'est très compliqué. Vraiment, vous avez eu cette découverte?